Bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une petite rue calme, malheureusement avec une météo qui se dégrade. Nous sommes à Saint-Quentin-en-Mauges pour découvrir cette maison en pierre qui a été entièrement rénovée ces 20 dernières années. C'était occupé il y a encore très peu de temps. Vous retrouvez le cachet des briques des Mauges et puis menuiserie bois avec des petites portes fermières. Ça va résonner un petit peu et puis donc on va découvrir tout de suite l'intérieur de cette maison. On a quasiment 100 mètres carrés habitables. Ça a été entièrement isolé, contrecloisonné, électricité refaite. Vous avez des grands placards sur l'arrière avec une cuisine toute simple ici, mais des radiateurs électriques plutôt de dernière génération. Et regardez-moi le charme de ces poutres apparentes que vous avez ici mélangées à un carrelage relativement récent. Cheminée qui va se dessiner ici. Donc là, un espace de vie des plus sympas, cuisine, séjour pour des petites maisons de bourse, c'est toujours assez surprenant. Une arche qui dessert un petit dégagement ici, qui peut faire office de bureau, c'était une pièce de travail. Et on retrouve ici donc un autre dégagement qui va rejoindre et le coin cuisine que l'on a vu tout à l'heure, et une pièce indispensable, bien entendu, un petit coin sanitaire. On est rattaché bien sûr à l'égout de la commune, et ici une petite salle d'eau avec le bidet qui est resté, la baignoire, on m'aperçoit toujours un petit coucou dans le miroir qui est là-bas. Ce qui est très sympa ici, c'est qu'on a un vrai carré de jardin. Regardez-moi ce petit coin. On est à l'abri des regards. On va prendre un tout petit peu de recul pour voir l'arrière de la maison. Vous le voyez, donc toiture parfait état sur cette partie-ci. Puis il y avait eu donc des extensions. Et on a un petit cheminement sur le côté ici qui va nous permettre de sortir. Option très importante. On a un garage qu'il est possible de vous vendre avec. Hein, donc n'hésitez pas à demander les renseignements. Et puis pour les plus curieux, on a également une vidéo pour le garage. Je reviens ici rapidement pour que vous puissiez distinguer à l'étage le côté chambre. On vous a mis trois chambres sur la désignation. Alors, on a bien trois pièces. On a en tout cas une grande chambre ici. En arrivant, palier, grande chambre dont je vous parlais à l'instant. On est sous les rampants, hein, c'est légèrement mansardé. Et puis ensuite, dans ce couloir, j'ai une porte qui claque, on va retrouver un petit coin dressing rangement juste là. Et deux autres chambres qui, elles, sont en enfilade. L'une pour aller vers l'autre. Mais trois chambres. En effet, voilà, on vous invite à venir découvrir cette maison. Vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et puis sur la chaîne YouTube MBC Imo. Je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous en parlais en bonus. Vous voyez la maison un petit peu plus bas dans la rue, façade jaune. Eh bien, on a la possibilité de vous vendre également cette place de parking et ce bâtiment qui n'est autre qu'une ancienne maison d'habitation. Donc ici, on pourrait faire éventuellement une deuxième maison, toiture en bon état également, ou bien effectivement s'en servir comme d'un garage, comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons 47 mètres carrés en tout ici. Alors, une pièce de 19, une autre pièce sur le côté là-bas, et encore un petit dégagement avec ici une arrivée d'eau, hein, donc pour un compteur d'eau éventuellement. Et vous voyez encore ce volume-là. Allez, à très vite. Merci.